Donc, bah, j'espère que vous allez bien. Allez, on fonce. On se met sur mes mimines. Allez, à tout de suite. Le temps que je fasse la petite manip. Et c'est bon. Voilà. Donc, allez, on va déballer. Donc, il y a un petit bonbon. Bon, j'espère qu'il n'y a rien à manger parce que ça, moi, c'est compliqué pour manger les choses. Mais sinon, c'est pas grave, il y a mon mari. Hein. À chaque fois, il est d'accord, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ouais, là, catalogue. Ouais, trop cool. Oh là là là. Je les ai retrouvés, mes catalogues, hein, c'est bon. Là, c'est bien, celui-là, je l'avais pas. Donc, je vais pouvoir le rajouter. Je regarderai après avec les autres. Attendez, bah attendez. Du coup, je regarde. Bah ouais, du coup. Comme ça, je le mets dans l'ordre. Enfin, je me fasse un. Bah, je ferai une vidéo pour faire les rangements pour Keeper. Comme ça, moi. Puis mon rangement pour chute. Parce que je vais vous montrer 2 secondes. C'est vrai que c'est un petit aparté. Mais franchement, voilà, là où il y a les chutes, je sais pas si on les voit ici, là. Là, tout ça, c'est des chutes de papier. Derrière, il y en a, on voit plein de chutes. Voilà, vous voyez? Donc voilà, tout simplement. Et bah, justement, je vais faire 2 rangements. Un rangement pour ranger mes catalogues que Nana, donc Natacha, m'envoie. Comme ça, bon, pour les retrouver, c'est plus facile parce qu'après, je les mets dans un tiroir. Et je ne sais plus où c'est, comme d'hab. Voilà, hein. Vous me connaissez maintenant. Voilà, hop, je redézoome. Non, je rezoome plutôt, sinon on voit le micro, on voit tout, on s'en fiche. Là, ma tête suffit, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà, je touche plus à rien. Et comme ça, bah au moins je pourrais. Non, ça va comme ça, là. Comme ça, bah, au moins, voilà, pour retrouver bah, ce que j'ai là, pour vérifier les catalogues, c'est quand même plus facile, quoi. Puis surtout pour retrouver tout ce que j'ai. Donc là, hop, là, le sang, j'ai le sang, le 101, le 103. Et, ah, c'est pas la même édition, ouais, j'ai la troisième édition. Voilà, c'est pas le même. Ouais, chouette. Donc je sais pas s'il est encore valable ou pas celui-là. Non, il est plus valable celui-là. Il est encore valable Nana ou pas celui-là du coup? Celui-là de la deuxième édition. Parce que je sais pas. Est-ce qu'il reste toujours valable ou pas? Ça faudrait que je te pose la question, tiens. Et là le troisième. Oh là, il y a des trucs qui m'intéressent. Là, il y a la poche. Ah là, j'aime bien les trucs pour faire les enveloppes. Ça, c'est génial. Hein. Et il faut que je trouve le truc aussi pour fermer, pour faire les pochettes. Hein. Ce qui est sympa aussi. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour ça, là. Enfin, oui et non. Surtout pour le colis. Ma commande, disons. Voilà. Donc ça, faut que je me fasse. Si vous voulez, bah, dites-moi en commentaire. Je pense que je ferai le tuto. Faut que j'alimente ma chaîne de toute façon. Ça, je le sais. Ouais, c'est la flammagite aiguë. Et surtout, c'est que quand je crée, j'oublie à chaque fois d'allumer la caméra. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que c'est commencé, je me dis, oh, bah, voilà. Enfin, bref. Hein, vous m'aurez comprise. Oui, toujours à droite, à gauche, comme d'habitude. On ne change pas. Hein, on ne change pas. On ne change pas. C'est bon, j'ai tout enlevé. Hop, je peux mettre le carton. Hop là. Juste à côté, par terre. Oh, une jolie carte. Alors, je regarde. Ouais, ça va, je suis bien dans le champ. Sinon, j'agrandis. Ou pardon, désolé. Mais je digère. Ouais, j'ai mangé. Oh, puis en plus, c'est une carte que je pourrais me resservir. Ça, c'est sympa. Ouais. Ça dépanne. Hein. Je pense à toi. C'est trop sympa, ça. Ah, il est trop beau là, le. Je crois que je l'ai pris. Il est dedans, à mon avis. Le pochoir. Il est dedans. Il me semble qu'il est dedans. Que je dise pas de bêtises, il est dedans. Oui, il est dedans. Je veux pas dire de bêtises. Oh, joli le tag.
Oh, celui-là, il va falloir que je regarde. Ça, j'ai pris ça, ouais, les papillons, comme ça, je les ai pris. Et ça, j'ai zappé ça, moi, là, les. En plus, là, tout de peinture. Art. Ah ouais, ça, j'adore. Alors, celui-là. Ah bah là, c'est le même pochoir. Hein. Bah, après, peut-être dans l'autre sens ou une autre partie. Je sais pas, parce que j'ai zioté, mais pas trop, à part juste un truc. Vous allez comprendre. Qui est encore... Oui, je l'ai laissé dedans. J'ai un peu traficoté parce que j'ai fait le rangement en même temps. Donc hop, je te remercie Nana. Super. Natacha. Pour que les gens comprennent. Parce que bon, moi je l'appelle Nana, c'est vrai. Oh, plein de scraps. Des petits. Ah, j'ai. Ah, c'est génial ce que t'as fait là. Oui, j'ai juste. Feuilleté, quoi, feuilleté, regarder vite fait, puis je me suis acharnée sur un truc hier soir, hier après-midi, quoi. Ah, c'est génial, puis comme ça, ben, je vois, puis en plus, j'ai un petit test déjà, une montagne, et en plus, j'ai le code qui est écrit au crayon gris, super. Et franchement, en fin de compte, là, le poisson, je crois que j'adore cette planche-là. Faut que je me la prenne, la planche-là. Je vais regarder ça. Comment ne pas craquer? Franchement, comment? 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 Ah, les sacrées paires de baskets, elles sont géniales. Moi, je les adore. Ben, par la suite, il y aura. Je dis pas du tout ce que j'aime pas. Une création avec les baskets. Pas à la suite de là, hein, dans une autre vidéo. Voilà. Ouais. J'ai fait un style de carte, d'ailleurs, c'est un peu avec un jeu de mots. Donc voilà. Je vous en dis pas plus. Ah, génial, elle m'a fait des fonds. Oh, il est beau celui-là. Oh, les paillettes. Waouh. Il est beau celui-là aussi. Celui-là, j'adore aussi. À la limite, je peux faire des petites découpes là dans du verre. Ou pas. Et elle m'a fait deux bases de cartes, quoi, déjà découpées là, dans du craft et là dans du noir. Génial, super, merci. Alors là et là, là. Ouh, ça me donne envie de faire ça là. Ouais, voyez, regardez. Et là, j'aime bien l'effet un peu déchiré. J'ai une lame qui fait ça, moi, qui est abîmée, hein, usée. Je l'ai gardé et puis quand je veux que ça me fasse ça, ben je le fais avec cette lame-là. Comme ça, on n'a pas besoin du distresseur. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Je sais pas si on dit distresseur. Quoi du... Il est où? Ça, là. Voilà. Ceci, là. Voilà. Je sais plus comment on dit. On dit pas un distresseur. Bon, là, c'est moi qui ai fait le petit la plume et tout. Là, voilà, je me suis amusée à faire un truc joli. Bah ouais, enfin, que je refasse, que je donne un petit coup de brosse à ma plume. Désolée, hein. Bah, il était violine, alors j'ai fait dans les tons violine. Et franchement, ça c'est vachement bien. Sinon, avec la paire de ciseaux, mais moi j'y arrive mieux avec ça. Enfin bref. Et là, justement, j'aime bien ce que ça fait cet effet-là. Moi j'adore. En ce moment, je suis dans ces effets-là, j'adore. Ouais. Donc, merci Nana. Merci beaucoup, beaucoup. Oh, bah, attends, je vais remettre. Oui, je remets dedans, comme ça, je mets ton nom. Je mets ton nom en dos, comme ça, je sais bah, d'où ça vient. Et comme ça, quand je fais une vidéo, bah, on voit d'où, bah, à qui je prends. Et moi, je me souviens aussi. Et puis, comme ça, c'est plus pratique. Moment, je t'ai mis là où j'ai mis les choses, j'ai laissé dans les plastiques et j'ai mis le nom parce que sinon après on s'en souvient pas. C'est dommage. Bon là ça va avec là je pense pas que je me quoi à part là les fonds, mais là avec les tamponnages non parce que c'est les trucs de keeper donc ça je sais d'où ça vient. Mais oui il faut bien que je dise des bêtises hein. Et là, ah là c'est par rapport aux découpes. Ah, c'est génial! C'est génial, c'est génial. Attendez, bah, je me mets sur le noir, là, comme ça, on verra. Voilà, puis les codes. Mais t'as un amour, Natacha. Franchement,
Tu fais un boulot, mais d'enfer. Génial. Waouh. Ouais. Il me semble que. Ouais, je sais que j'ai commencé à prendre le trèfle. Il y a d'autres trucs que je vais prendre. La collection de celle-là, je vais. À mon avis, c'est même sûr et certain que je vais prendre. Là, comme là, les herbes. Je les ai pas, mais je vais les prendre. Voilà, là, il y a celle-ci ici. Je ne l'enlève pas. Hein. Là, les papillons, je les ai pris. Donc, c'est bon. Ouais, génial. Ah là, la fleur, elle est géniale. J'adore. Oh, ça, faut que je la prenne aussi. Oh, voilà. J'ai pris. Je crois que j'ai pris l'huile, là. Oh, ça fait trop cool. Hein. Enfin, je me refasse des fonds. Sur du papier pas trop épais. Là, hop, les autres papillons. Là, faut. Ouais. Là, faut que je me fasse sur du vert. Comme ça, je fais des herbes. Des herbes folles. Là, les trèfles, je les ai pris. Les trèfles, ça c'est sûr. Le trèfle à quatre feuilles, d'ailleurs, il est là. Voilà. Donc ça, je l'ai pris. Il y a ça, d'ailleurs, aussi. Avec là, ça va avec les papillons. Ça, là. Voilà. Hop. Donc ça, je l'ai pris. Ça, je l'ai pas. Ça, faut que je le. Ça, je sais pas si je l'ai pris. Non, ça, faut que je le prenne. Ça, faut que je le prenne. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et ça aussi. Ça, je l'ai pas. Ça, j'adore. Et ça aussi. Ouais, du coup, c'est les mêmes. Il y en a deux. Je suis bête. Moi, voilà. Moi, j'ai ça. J'ai ça. Et avec le trèfle, je sais plus. Bon, on va le découvrir hein, de toute façon. Hop. Allez, je vais remettre. Je le remettrai après parce que sinon, bah, je vais mettre 3 heures. Donc, vous allez m'engueuler après. Vous allez râler parce que je suis trop longue. Mais je suis désolée, hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. Maintenant, vous le prenez comme vous voulez. Oh, oui, je suis pas, c'est pas bien. Oh là là. Ça, le petit cadeau, on l'enverra en dernier. Surprise, surprise. Alors, j'ai pris deux pochoirs. Ouais, il y a deux pochoirs. Ouais. Oh là 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 là. Alors, et vite, allez, on se dépêche quand même. Donc voilà, le pochoir ici qu'on a vu là sur les créations de Natacha. Il est trop trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Puis j'aime bien, il est épais quand même. Donc, j'adore. Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et vous avez vu? Des ronds. Oui, moi aussi, je suis très ronron. Enfin, c'est pas le ronron. 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 Non, non, non. C'est des ronds. Voilà, moi j'aime bien les ronds. Voilà, j'ai toujours aimé les boules, les ronds. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Ça c'est génial parce que là, je vais pouvoir me faire du petit classeur. Je crois que je vais m'en prendre d'autres hein, de cette marque-là. Parce que franchement, ils ont l'air. J'ai pas essayé encore. J'ai hâte d'essayer d'ailleurs. Les deux, je crois que j'allais dire celui-là ou celui-là, mais non, les deux. Les deux vont être vite essayés à mon avis. Très très vite. Et oui. Attendez, hop, je prends. Là, il y a un tampon. Hop là. Voilà. Il est pas beau le tampon. Bon, par contre, quand moi je vois le dessin, je vois qu'il y a des erreurs de proportion. Mais bon, ça, faut pas y faire attention. C'est mon défaut, ça. Je suis embêtante, hein. Je suis chiante, hein. Mais j'aime bien ce qu'il y a un texte. Donc j'adore. Puis il y a de la structure là ici. Et là, ça fait un peu l'effet bois. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense, je vois par rapport à un arbre. Alors, pourquoi, je sais pas. Là, je vois des flèches. Là, je vois qu'il y a une longue ligne ici. Ça, c'est tip top. Et puis, le personnage, il est bien. Hein. Moi, je faisais de la peinture sur toile. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Il faut que je prenne l'autre planche, alors. Où il y a les pinceaux. Voilà, c'est ça. Ça, il me le faut, là, les pinceaux, là. Les tubes, le pinceau, là, il y a un crayon. C'est tout petit, je vois pas bien. Artiste, voilà, il y a artiste. Peut-être avec la plume aussi, j'aime bien. Bon, là, avec le mannequin où j'aime bien, oui et non. Bon, je l'ai en vrai, hein. Après, j'aime bien le reste. C'est ça qui est un peu embêtant. Regardez, ça fait chouette, n'empêche. Hein. Avec sa toile, la toile sous la main.
tout le bras, pardon. Là, c'est pour ça que là, je trouve que les pinceaux, normalement, ils sont beaucoup plus longs, les pinceaux, quand on peint à la toile. Hein. Faut pas les petits pinceaux. Hein. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça. C'est normal. Hein. C'est, voilà, c'est du scrap. C'est pas... voilà. Je sais qu'il faut que je sorte de l'académie, entre guillemets. Alors, on va continuer pour l'instant dans les tampons, tant qu'à faire. Faut pas que je fasse pas des bêtises, mais là c'est ma facture. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Là c'est ma facture ici. Non, je veux pas qu'on voit le montant parce que ça regarde personne. Voilà, mais on voit qui peur. Voilà, on voit qui peur, qui peur. Alors attendez, hop, hop, parce que là je fais des bêtises, bêtises monstrueuses, n'est-ce pas? Voilà, je sais pas si on voit tout. Hein. Ça va être, y a quand même un petit peu beaucoup de choses, donc c'est pas facile de tout montrer. Enfin, donc là tampon, tampon, là c'est là et après c'est les dyes et après il y a autre chose. Alors, on continue dans les tampons. Dans les tampons, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai donc là j'ai la toile d'araignée comme ça, j'ai le champignon. Attendez, je regarde, je vérifie du coup, moi. Il y a un doute. Normalement, non, c'est là. Ouais, j'ai les baskets. J'ai les baskets, j'ai ça, attendez. Hein, parce que du coup, c'est pour savoir si, ce qui me manque. Et ouais, et ouais. Ben ouais. Voilà, j'ai tout pris. Sauf la... voilà, là, là, de la fois d'avant. Dans la, j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Je vais la sortir comme ça, je vais pouvoir tester des choses. Voilà, je laisse dehors. Comme ça, j'oublie pas. Parce que là, voilà, j'avais pris. C'est pour par rapport à aux séries. Vous voyez, j'ai les champignons. Là, il y a les fleurs. Là, j'ai la petite fée. Voilà. Et là, les baskets. Vous voyez de la dernière fois. Voilà. Donc là, je sais pas. Donc là, ici, il me manquait. J'avais dit, il faut que je prenne la plume et ça et ça. Donc regardez. Je sais pas si j'ai tout. Non. Ça, c'est pas. Non. Donc là, j'ai. Ben, il me manque le feuillage comme ça. Alors, je croyais que je l'avais pris, moi. Ben non. Non, faut pas que je me trompe, hein, faut pas que je mélange de l'autre fois avec l'autre fois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, c'est pas très clair, hein, mon truc. Hein. À moins que j'avais déjà pris, non, bah non. Faudra que je vérifie un peu. Ouais, là, ça fait partie des faits. Voilà, c'est avec les fleurs et les... voilà, c'est bon. Donc ça, je l'enlève. Sinon, je vais faire des bêtises. Voilà, c'est pas bien. Là, le soleil, c'était la dernière fois. Donc, qui va avec ça. Voilà. On le voit ici, le soleil. Donc là, il me manquera celui-là. Parce que j'aimerais bien l'avoir, celui-là, par contre, aussi. Ouais. Je veux bien... là, je vais me prendre la collection. Donc là, j'ai les plumes. Là, j'ai les... c'est des espèces de... normalement, ça, c'est quand... tout froid, là, très chaud, là, où ça... c'est comme de la mousse, quoi. Et là, les herbes folles, ça... Je le veux, je vais le prendre. Voilà. Celui-ci, là, c'est... voilà, les petites fleurs comme ceci, car j'ai... voilà, donc, qui sont ici. Voilà, j'ai le champignon, j'ai ici, j'ai là. Donc, j'ai encore celui-là et celui-là. J'en ai encore pas mal à prendre, là, dans cette collection-là. Après, au niveau des dyes, ouais, vous avez l'impression que je suis en train de speeder. Bah oui, parce que bon, je veux pas tomber en panne de batterie aussi. Voilà. Donc, j'ai pas fait les tests de mais comme vous avez vu ici, on les voit. Là, Natacha nous a fait là, les découpes. Donc, vous voyez là, j'ai voilà la petite... je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que là-dessus, normalement, il n'y a pas les machins dessus. Je sais pas ce que c'est comme fleur. Bon, il y a le trèfle. Ça, j'adore. Voilà. Puis après, je me prendrai donc celui-ci, puis celui-ci. Là, c'est clair, il me le faut. Faut que je le rajoute, ça et ça. Faut que je le rajoute pour le mois d'août. Ça et ça, je les veux absolument.
J'adore les découpes de feuillage. Ouh, pardon, je sais pas si on aura entendu. Pourtant, j'ai mangé. Donc là, la découpe donc de papillons et de la des petites on va dire du petit feu, la feuillage. Voilà. Après, il y aura peut-être je prendrai là les petites colombes, c'est sympa. Le coin, j'aime bien le coin. Après le crabe, la tortue, je sais pas encore, je regarderai. Et là, j'ai pris le mot amitié. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut découper avec le contour, donc on n'a pas besoin de le découper au ciseau. Ou sinon, ben, voilà, on le découpe comme ça, quoi. C'est pas mal, je trouve. Donc, on peut faire un fond et puis mettre le mot dessus. Ça, c'est trop sympa. J'adore le... Comme ça, quoi. Ce contexte-là, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, vous avez un fond, puis après, par-dessus, vous mettez l'amitié, vous collez l'amitié dessus, sur la base. Au mieux qu'elle soit rectangulaire, elle prend la forme du mot, quoi. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si je m'exprime bien, hein. Vous me direz ça? Voilà, j'ai pris. Hop, ça. J'avoue, je le voyais plus petit. J'avoue. Mais c'est pas grave. Ça pourra toujours servir. J'ai déjà plein d'idées. Ils disent que c'est pour faire un bracelet. Moi, je ne veux pas faire un bracelet. Moi, je voulais faire une petite chaîne. Mais c'est pas grave. Une fois que c'est. Voilà, ça s'ouvre et ça se plie, ça fait. On peut s'en servir de plusieurs façons. Et moi, j'ai déjà plein d'idées. Donc, pas de soucis. Je suis très très contente quand même. Attention. Donc, du coup, bah, vous voyez le. Voilà, la taille. J'ai pas fait attention à la taille. Mais c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Du coup, bah, je vais m'en servir autrement. Si jamais je retrouve un die de la même, pareil, mais qui se coupe pas ici. Parce que là, ça fait plus trois fois la même découpe en fin de compte. Et moi, j'aimerais bien trouver un die qui fait des ronds comme ça, comme une chaîne en fin de compte. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Voilà. Enfin bref. Donc avant de passer aux autres dies que j'ai bougé, que j'ai fait des tests, là j'ai pris aussi le bloc comme ceci de die cut. Et franchement, je l'ai feuilleté. J'avoue que je l'ai feuilleté. Lui, je l'ai feuilleté. J'ai adoré. Ouais, regardez les pinceaux, j'adore! Là en plus il y a les étapes donc c'est déjà prédécoupé. Oh, ça me donne trop envie de d'une boisson un peu gazeuse avec du citron de menton. Je peux vous assurer c'est vachement bon. Puis c'est rafraîchissant et ils sont vachement bien. Ah j'adore. Tiens, faudrait que j'en invente une avec des couettes, des nattes, deux nattes parce que des fois je faisais des nattes. Ça m'arrivait de faire des nattes. Là, il faut que j'attende un petit peu qu'il repousse. Ouais, ça me donne envie, ça. Allez. Bah, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et j'ai pris le die. Donc là, voilà, je l'ai défait. Je l'ai mis dans leur pochette. Vous voyez que du coup, j'ai traficoté. J'ai coupé la taille de mes pochettes que j'avais pour enlever le papier parce qu'il se casse au bout d'un moment. Par contre, voilà, moi je mets dans les pochettes comme ça que j'ai acheté. Je découpe à la taille. Bon, je sais comme ça, je sais quand même toujours d'où ça vient. Ce qui est pratique. La pochette donc qui servait où il y avait le die dedans, je l'ai découpé à la taille de ma pochette aussi. Et je l'ai collé comme ça. Vous voyez? Comme ça ici, il est accroché. Parce que là, le die, il est sûr. J'ai mis un aimant. Comme ça, hop, ça protège ici ma pochette pour pas que ça découpe ma pochette et puis ça protège mon die. Donc j'ai fait la découpe du Polaroid. Donc vous avez bien la base comme ceci. Un Marie, comme ça tu vas voir. Regarde Marie. Et là le cercle est ici. Tu peux l'enlever le cercle. Justement, le cercle, on peut l'enlever. Et là, comme ça, au moins, on peut, sur le cercle, paf, après
On le positionne comme ceci. On le centre bien. Et hop, on fait l'impression, quoi, tout simplement. Voilà. Ou alors, faudra que j'essaye la découpe. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ou alors, faudra essayer la découpe avec en laissant accrocher comme toi, tu l'as laissé accrocher comme ceci. Voir ce que ça donne. Ouais, faudrait que je teste pour voir. Comme ça, à la limite, là, ça fait l'embossage tout le long. Ouais, faudrait que je teste, tiens. Ouais. On testera autrement. De toute façon, on peut faire ça tellement comme on veut, quoi. Après, on peut faire un shaker au milieu, hein. C'est aussi, c'est ça qui est bien. Et là, d'avoir le contour, vous allez voir ce que j'ai fait, moi. Attendez, hop, voilà. Du coup, je la range dans ma pochette, tant qu'à faire. Ben ouais. Et là, j'ai fait aussi les découpes de. Donc, je les ai mis dans la pochette, j'ai fait pareil. Et là, j'ai fait le Polaroid. Et. Je sais plus. Je me souviens plus. Donc là, vous avez. Bon, là, j'ai pas colorisé, j'ai pas mis en relief. Donc, je le mettrai, mais je le ferai correctement. Et vous voyez, si à la limite, si j'avais laissé le. Sur là, comme je vous disais, là, le contour, le rond. Comme ça, j'aurais pu. Je l'ai fait quand même, hein, l'embossage. Hein. Là, nickel. Bon, moi, c'est avec la Gemini. Là, j'ai commencé à mettre. Là, ici, pour faire effet bouton, effet brillant. J'ai mis. J'ai mis du nouveau, mais le nouveau transparent. Je l'ai trouvé dans une autre boutique. Il y a un petit moment. Bon, je suis en retard de hall, voilà. Et j'ai fait une. En fin de compte, j'ai fait une carte. Tout simplement. Regardez. Hop là. Voilà. Bon, il faut que je termine. Elle n'est pas finie. Attention. Hein. Là, je vais mettre un peu de dorure. Là, ici, là, sur les petites traces ici, je vais mettre du noir. Pour rappeler voilà, le fond de l'appareil. Là, je vais mettre plutôt du doré ou de l'argenté. Et voilà, regardez. Tout à fait sympa, hein? Puis je vais vous le faire en rose. Ouais, j'avoue. Bon, c'est un rose très fuchsia. Mais j'avais soit un très fuchsia ou soit un rose très très pâle. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous montre, hein? Soit j'avais ce rose-là, là, très saumonné, là, ou ce rose-là. Donc, je préférais à la limite se faire dans ce rose-là. Hein? On est l'été. J'avais envie que ça pète. Voilà. Ça, voilà, que les couleurs pètent. Ça fait joli, hein, ça fait sympa. Hein. Puis là, j'aurais pu laisser en couleur comme ça, mais je trouvais que ça allait pas. Et en plus, bon, bah, vous avez un rond en plus qui fait. Je l'ai mesuré. J'en avais fait d'autres dans plusieurs couleurs pour faire le test par rapport à savoir ce que je voulais mettre ici. Et je crois que ça fait 5,5 le rond, il me semble. Voilà. Et j'ai fait aussi. Alors, c'est en cours. Hein. Là, c'est en train de sécher d'ailleurs. Faut que je découpe un peu parce que j'étais un peu de travers. Ça se voit d'ailleurs. Mais ça, c'est pas grave. Je découpe ce qui dépasse là et puis c'est bon. Donc, j'ai fait. Voilà, j'ai commencé à faire une peau là. Polaroid. Là, j'ai pas mis assez de colle. Ouais, il me manque de la colle ici. On rajoutera un peu de colle ici, là, c'est pas grave. Et là, j'ai fait la. Oh! Ben, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire. C'est pas possible, ça. Alors, du coup, j'ai découpé. Mais est-ce que ça va être noté dessus? Je ne sais pas. Ah, j'ai pas arrêté de le dire avec mon mari, je l'ai enquiquiné avec ça et là, parce que lui, il en a plein. Il en a plein. J'ai dit, il faudrait peut-être faire quelque chose avec. Voilà. Parce que je voulais lui piquer pour faire des trucs avec, mais il veut pas. Il y tient. Donc enfin bref, donc là, ça a fignolé. Voilà. Bah oui, je me suis un peu amusée quand même. Hein. Et puis bah, j'oublie mon petit cadeau.
Alors, je regarde le petit cadeau. Ouais. Et je crois que j'ai rien oublié. Hein. Non, c'est bon, j'ai tout mis. Ouais. C'est chouette, hein? Moi, j'aime bien. J'adore. Là, je vais les terminer. Hein. Puis, hop. Alors là, le papier, je vous le montrerai dans un autre. Parce que le papier, ça n'a rien à voir avec de la boutique, là, ici. C'est un bloc que j'avais depuis un moment. Ouais, génial! Hé, regardez. Il est un peu grand, celui-là. On peut mettre celui-là. Ouais, je peux mettre celui-là. Bon, je mets celui-là sur le petit. Puis celle-là sur la grande. Sur la pola. Non, sur une pola, ça le fait pas, hein. Mettre un truc plus... Mais super sympa. Merci, Nana. Natacha, pardon. Alors là, c'est un... Ouais, je crois que c'est un landau. Faudra le dessiner. Faudra que je le dessine. Oh, j'adore l'écureuil. Les hérissons, pardon. J'adore les hérissons. J'adore. J'aime bien quand ils se mettent en boule. Ah, et là, super. Là, c'est bien parce que moi, je peux me... Parce que là, sur le berceau, pour faire les dessins, ça va être un peu compliqué. Mais on va y arriver. Je vais y arriver. Et là, un cupcake. J'adore les cupcakes. Donc là, bah, ça, je le laisserai en vert. Et je vais m'amuser à faire... Bah, là, la cerise. Parce que là, il y a une cerise ici. Ça se voit avec la petite queue. Et la cerise, là, on dessine la cerise. Là, ici, là, c'est le cake, là, on va dire du marron. Et puis là, la couleur qu'on veut, quoi. Hein, parce que le glaçage, on le fait de la couleur qu'on veut. Merci, Nana. En tout cas, c'est gentil, bon. C'est gentil à toi. Je suis ravie, en fin de compte, de ma commande. Voilà, chercher le mot. Donc, j'ai hâte de ma prochaine commande. Donc, en août. Voilà, bon, bah sur ce les filles, je vous fais plein de gros bisous. Bah, amusez-vous bien, scrapez bien, profitez de la vie, je vous dis bye bye.